Ich bin also wie ihr euch also fühlt, aber bei mir, ich will mein Gott so anbeten. Ich will beten. Ich will, dass Gott mit uns sich verherrlicht. Halleluja. Je veux le voir élevé. Ich möchte ihn erhoben sehen. Est-ce que vous comprenez ça? Versteht ihr das? C'est pourquoi, frères et sœurs, deswegen, Geschwister, récemment le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose. Vor kurzem hat er mir was zur Erkenntnis gegeben. Nous sommes nombreux. Wir sind so viele. Nombreux. So viele. Qui venons dans sa présence. Die in seine Gegenwart kommen. Sans croire en lui. Ohne an ihm zu glauben. Nous prions. Wir beten. Mais nous sommes ailleurs. Doch mit unseren Gedanken sind wir woanders. Vous voyez, le Seigneur dit dans sa parole, er sagt in seinem Wort, ce peuple, dieses Volk, mon ordre des lèvres, il lobe mich mit den Lippen, mais le cœur est éloigné. Aber der Herz ist sehr weit weg. Et le Seigneur rencontre ce genre de personnes presque tout le temps. Und der Herr trifft solche Leute fast jede Zeit. Parce que quand on se retrouve dans les difficultés, weil wir in bestimmten Problemen uns befinden, nous crions, Seigneur, sauve-moi! Schreien wir, Herr, rette mich! Et là, on croit vraiment qu'il va nous sauver. Und in diesem Moment glaubst du wahrhaftig, dass er dich retten kann oder wird. Mais lorsqu'on est découragé, aber wenn du entmutigt bist, on dit, Seigneur, sauve-moi! Sagst du, Herr, rette mich! Et parce qu'on est découragé, aber weil du entmutigt bist, on se dit, est-ce qu'il va même me sauver? Zweifelst du, denkst du, ah, wird er mich wirklich retten? Frères et sœurs, Geschwister, changeons de mentalité. Unsere Mentalität muss sich ändern. Arrêtons de venir dans sa présence. Hör auf, in seiner Gegenwart zu kommen. Sans croire en lui. Ohne an ihn zu glauben. Celui qui se rapproche de Dieu doit croire qu'il est Dieu. Der sich dem Herrn nähert, muss glauben, dass er Gott ist. Et qu'il est capable. Und dass er fähig ist. Mais nous venons dans sa présence. Wir kommen in seine Gegenwart. Nous ne croyons même pas en lui. Wir glauben nicht mal an ihn. Le Seigneur dit qu'il y a beaucoup qui s'approchent de lui. Er hat gesagt, es sind viele, die sich ihm nähern. Avec un double cœur. Mit einem doppelten Herzen. Pourtant, il est dit. Obwohl es steht geschrieben. Que si tu demandes. Wenn du fragst. Ne doute pas. Zweifle nicht. Mais on chante même en doutant. Wir singen oder geben Lobpreis sogar im Zweifel. Sois loué, mais. Sei gelobt, aber. Intérieurement. Aber innerlich. Ce n'est pas ça. Bist du leer? Das ist nicht das, was sein soll. Est-ce que vous m'entendez? Vous êtes là? Hört mich doch, seid ihr da? Tu pries. Du betest. Mais tu es seulement ancré dans ton découragement. Aber du bist so verpflanzt in deine Entmutigung. Tu n'es même pas sûr que Dieu t'entend. Du bist nicht mal sicher, dass der Herr dich hört. Et tu parles. Pourtant tu parles à un Dieu qui est puissant. Obwohl du zu einem Gott sprichst, der mächtig ist. Est-ce que nous nous rendons compte un peu de ce que nous faisons d'habitude? Ist es wahr, was wir machen? Un chrétien qui parle à Dieu, ein Christ, der zu Gott spricht. Mais pendant qu'il parle à Dieu, aber während er zu ihm spricht, dans son cœur, in seinem Herzen, au moment où il parle, im Moment, wo er spricht, il dit, Seigneur, que ton nom soit loué. Er sagt, Herr, dein Name sei gelobt. Seigneur, délivre-moi. Er sagt, Herr, befreie mich. Juste après le mot délivre-moi. Genau nach dem Wort, befreie mich, oder nach den Wörtern. Juste après ce mot-là, délivre-moi. Genau danach, exakt danach, nach den Wörtern. Dans son cœur, in seinem Herzen, il dit, est-ce que c'est même encore possible? Zweifelt er, stellt sich die Frage, ist es überhaupt noch möglich? Nous étions chez moi à la maison, en train de prier, wir waren bei mir zu Hause am Beten, avec des frères et sœurs, mit Geschwistern. Nous prions, chantons Jésus. Wir singen, beten Jesus. Et pendant la prière, und während dem Gebet, qui croit que Dieu parle encore à ses enfants ici?
Wer von uns glaubt, dass der Herr noch zu seinen Kindern spricht? Pendant la prière, während dem Gebet, j'entends la voix du Seigneur qui me pose cette question. Höre ich die Stimme vom Herrn, der mir die Frage stellt. Comment des gens peuvent prier à Dieu sans la foi? Wie können die Menschen beten ohne Glauben zu haben? À quoi ça sert de prier? Was bringt es überhaupt zu beten? Si tu ne crois pas que ce Dieu-là t'entend. Wenn du keine Sachen glaubst, dass er dich hört. Et puis encore. Und außerdem. À quoi ça sert de prier si tu ne crois pas que ce Dieu-là peut t'exaucer? Was bringt es, wenn du betest und aber nicht glaubst, dass der Herr dich erhört? Donc en fait, tu es en train de perdre ton temps. Also, im Prinzip verlierst du deine Zeit. Donc tu es même venu ici. Bist du gar hierher gekommen? Sans croire que ce Dieu-là est capable. Ohne zu glauben, dass der Herr fähig ist. Si tu restes dans cet état, und wenn du in diesem Zustand bleibst, tu perds ton temps. Vergeudest du deine Zeit. La conférence dure peut-être 3-4 heures. Die Konferenz wird vielleicht 3-4 Stunden dauern. Et tout ce temps-là, und diese ganze Zeit, tu ne changes pas dans ton cœur. Änderst du dich nicht in deinem Herzen? Tu te dis toujours, ah, est-ce que Dieu m'entend? Denkst du immer, ah, hört er mich wirklich, der Herr? Ah, est-ce que Dieu, ah, est-ce que, ah. Ah, wirklich, du zweifelst, Zweifel auf Zweifel. Donc en fait, tu perds ton temps. Also im Prinzip verlierst du deine Zeit. Ah, ah, Seigneur. Ah, Herr. Quelqu'un passe une heure de prière. Eine Person verbringt eine Stunde im Gebet. Une heure dans la prière. Eine Stunde. La personne transpire même. Die Person schwitzt sogar. Mais à la fin de la prière. Am Ende des Gebets. Au moment où la personne dit Amen. Im Zeitpunkt, wo der Amen sagt, beim Abschluss. Dès que tu dis Amen. Direkt, wo du Amen sagst. Tes premières pensées. Dein erster Gedanke. Ah, est-ce que le Seigneur va même m'aider? Ah, wird der Herr mir wirklich helfen? Est-ce qu'il m'a même exaucé? Hörte mich überhaupt. Donc tu as passé une heure pour rien. Also das heißt, du hast eine Stunde sonst im Gebet verbracht. Celui qui demande, der der bittet, qu'il ne doute pas. Er soll nicht zweifeln, er soll bitten ohne zu zweifeln. Qu'il ne doute pas. Er soll nicht zweifeln. Nous allons prendre nos Bibles rapidement. Je vais conseiller nos Bibles, Lynn. Je vais exhorter rapidement. Amen. Amen. Prenons nos Bibles dans Luc 11. 11. Il y a des choses dans la Bible. Dans la Bible. Quand on lit ça, et man die liest, on a l'impression que c'est tellement extravagant. Man denkt, c'est extravagant. Mais on a l'impression que c'est des choses. Attends, mais c'est sorti de la bouche de qui là? Und du stellst die Frage, von wessen Mund ist es rausgekommen? Vous savez, les paroles. Wie sind die Wörter? Qui sortent de la bouche des personnes ont un impact. Vous savez ça? Die aus dem Mund aus einer Person kommen, haben einen Effekt, eine Stärke. Mais ça dépend de quelle bouche ça sort. Was hängt ab, von welchem Mund es rauskommt. Amen. Amen. Si le Bürgermeister de Duvenstedt, comment s'appelle ici là? S'appelle comment? Ou bien, si le Bürgermeister de Hamburg. Wenn der Bürgermeister von Hamburg vient ici, hierher kommt, et il dit, und sagt, il sort une parole, er sagt etwas, la même parole que moi, par exemple, dasselbe, was ich gesagt habe, je me mets ici à la porte, ich stelle mich hier vor der Tür, et je dis, und ich sage, frères et sœurs, Geschwister, vous allez recevoir des boissons gratuites, ihr werdet Getränke umsonst erhalten. Je vous remercie. Chacun ici aura 2000 euros. Jeder von euch kriegt 2000 Euro. Vous allez me regarder et dire, ah. Ich werde gucken, ah, William. Ah, Bruder William.
Mais si le Bürgermeister de Hamburg, aber der Bürgermeister von Hamburg hier steht, il vient ici, hier kommt, et il dit, und sagt, en sortant vous recevez tous 2000 euros. Bevor ihr rausgeht, kriegt jeder von euch 2000 Euro. Vous allez croire. Vous allez glauben. Ou pire encore. Oder noch schlimmer. Bill Gates se place ici. Bill Gates steht hier hin. Il dit en sortant vous recevez tous 1000 euros. Donc, bevor ihr rausgeht, kriegt jeder 1000 Euro. Mais moi je me place là à côté. Und ich stelle mich neben ihm. Et je dis en sortant vous allez recevoir tous 1000 euros. Und sage auch, jeder kriegt 1000 Euro. Quelle est la parole qui aura plus de poids? Von wem, wessen Wort wird mehr Gewicht haben oder mehr Stärke haben? Celle de William ou bien celle de Bill Gates? Von Bill Gates oder von William? Pourquoi? Warum? Parce qu'il a la capacité de le faire. Weil er die Kapazität es zu tun. Et vous le savez. Und ihr wisst es auch. Amen. Amen. Mais pauvre William ne pourra pas vous remettre tous 10 000 euros. Ja, mais William kann euch nicht alle 1000 Euro geben. Et vous le savez. Und ihr wisst es auch. Alléluia. Amen. Lukas 11. Luc 11. Nous allons lire à partir du verset 5. À vers 5. Puis il leur dit. Und er sprach zu ihnen. Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver à minuit pour lui dire. Wenn einer von euch einen Freund hätte und ginge zu ihm um Mitternacht und spreche zu ihm. Mon ami. Freund. Prête-moi trois pains. Leihe mir drei Brote. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi. Denn mein Freund ist von der Reise zu mir gekommen. Et je n'ai rien à lui offrir. Und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Et si de l'intérieur de sa maison cet ami lui répond. Und jener würde von ihnen antworten und sagen. Ne m'importune pas, car ma porte est déjà fermée. Mache mir keine Mühe. Die Tür ist schon verschlossen. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Und meine Kinder sind bei mir in der Kammer. Je ne puis me lever pour t'en donner. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Je vous le dis même, s'il ne se levait pas pour les lui donner. Ich sage euch, wenn er auch nicht deswegen aufsteht und ihm etwas geben wird. Parce que c'est son ami. Weil er sein Freund ist. Il se leverait à cause de son importunité. So wird er doch um seiner Unverschämtheit willen aufstehen et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Und ihm geben, so viel er braucht. Maintenant le verset 9. Und jetzt Vers 9. Ainsi je vous dis. Und ich sage euch. Demandez. Bittet. Et il vous sera donné. So wird euch gegeben. Cherchez. Sucht. Et vous trouverez. So werdet ihr finden. Frappez. Klopft an. Et l'on vous ouvrira. So wird euch aufgetan. Car quiconque demande reçoit. Denn jeder, der bittet, empfängt. Et celui qui cherche trouve. Und wer sucht, der findet. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Bon. Quand on lit telle parole. Wenn wir so ein Wort lesen. Ça ne sort pas de la bouche de n'importe qui. Das kommt nicht aus dem Mund von irgendjemand. Donc ça doit avoir un poids. Also es hat einen Wert. Il dit, demandez. Er sagt, bittet. Il n'a pas dit, sois d'abord saint avant de demander. Er hat nicht gesagt, sei erstmal heilig, bevor du bittest. Il dit, demande. Er sagt, bitte. Pourquoi? Warum? Parce qu'en fait, tu dois savoir à qui tu t'adresses. Denn du musst wissen, zu wem du sprichst. Tu demandes à qui? Wem bittest du gerade? Non, tu ne demandes pas à William. Nein, du bittest nicht an William. Mais il s'agit, tu demandes à Jésus. Aber du fragst Jesus. Et quand il dit, demandez et vous recevrez. Und wenn er sagt, bittet und ihr werdet euch das gegeben. Il ne met pas de conditions autour. Gibt es keine Konditionen drumherum. Il dit, demande. Er sagt, bittet. Frappe. Klopfe. Et ce sera ouvert. Und ihr werdet aufgetan. Mais le problème qui se pose, aber das Problem, was wir haben, c'est que lorsque nous venons pour frapper, wenn wir kommen, um zu klopfen, nous venons pour demander, wir wollen fragen oder bitten, intérieurement, aber in deinem Herzen, nous ne croyons pas. Glaubst du nicht? Nous ne sommes pas sûrs qu'il donnera. Du bist gar nicht sicher, dass er dir gibt. Tu es dans le péché? Du bist in der Sünde. Tu dis, Seigneur, du sagst, Herr, pardonne-moi. Verzeih mir. Mais tu ne crois même
pas qu'il te pardonne. Aber du glaubst, dass er dir verzeiht. Tu demandes au Seigneur de te pardonner. Du bittest dem Herrn, dir zu verzeihen. Mais intérieurement, aber in deinem Herzen, tu te culpabilises encore. Zweifelst du noch? Ah. Ah. Ah, est-ce qu'il m'a entendu? Hat er mich wirklich gehört? Ah, je souffre. Ah, ich leide. Veux-tu sortir du péché, oui ou non? Willst du von der Sünde rauskommen, ja oder Veux-tu nein? Être libéré, oui ou non? Willst du frei sein, ja oder nein? On n'est même pas sûr de ce que nous demandons au Seigneur. Wir sind gar nicht sicher, dort was wir bitten. Nous ne savons même pas. C'est comme si on parle à la volée. Das ist so, als würden wir einfach so einen Wind ansprechen. Quelqu'un prie. Jemand betet. Déjà, la pire des choses, c'est quand vous vous levez le matin pour prier. Das Schlimmste ist, wenn du morgens aufstehst, um zu beten. C'est devenu une routine. C'est une routine geworden. Quand je me lève, wenn je dois prier. Muss ich beten. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Herr, dein Name soit gelobt. Oh, Seigneur, je te loue. Je lobe dich. Pendant que tu parles comme ça, während du so sprichst, tu es en train de penser à quel habit tu vas porter. Denkst du, ah, was muss ich heute anziehen? Ah, Seigneur. Intérieurement, voici, hein. Ta bouche dit. Dein Mund sagt. Ta bouche, les mots qui sortent de ta bouche. Die Wörter, die aus deinem Mund rauskommen. Seigneur, tu es grand. Sie disent, Herr, du bist groß. Tu es puissant. Du bist mächtig. Tu es au-dessus de tout. Du bist über alles. Mon Dieu, tu me sauves. Herr, du rettest mich. Dans ton cœur. Aber in deinem Herzen. Ah, Seigneur. Ah, Herr. J'ai trop de problèmes. Ich habe so viele Probleme. Je souffre vraiment. Ich leide wahrhaft. Ah. Si tu peux m'aider. Wenn du mir wirklich helfen könntest. Mais mes péchés là sont trop. Aber meine Sünden sind, das sind so viele. Oh, là. Et ensuite encore. Ah. Et d'un seul coup, dans le moment de la prière. Und plötzlich im Gebet. Tout d'un coup, tu changes. Plötzlich änderst du. Ma tenue bleue là, est-ce que c'est même propre? Ah, dieses blaue Hemd, das ist überhaupt sauber. Et les chaussures là. Und diese Schuhe. Est-ce propre? Sind die überhaupt sauber? Oh, en fait. Je dois prendre un café avant de partir. Je dois prendre un café avant de partir. Tout ça pendant que tu parles à Jésus. Et das alles währenddessen du zum Herrn sprichst. Vous vous rendez compte de l'hypocrisie dans laquelle on se trouve? Seht-ihr, wie heuchlerisch wir sind? Vous vous rendez compte dans le désordre dans lequel nous nous trouvons? Seht-ihr, in welchem Unordnung wir uns befinden? Et la pire des choses encore. Das Schlimmste. La pire des choses. Das Schlimmste. Lorsqu'on dit frères et sœurs, prions. Wenn wir sagen, Geschwister, betet. On se lève. Stehen wir auf. Prions pour la sœur telle. Beten für die eine Schwester. Parce qu'elle a tel problème. Weil sie diesen Problem hat. On se lève. Wir stehen auf. Oh, au nom de Jésus. Et on fait oh, Seigneur. Mit voller Kraft. Agis dans notre sœur. Regiere. Ah, agiere. On a la foi. Wir haben Glaube. On croit que Dieu le fera. Wir glauben, dass der Herr was tut. C'est maintenant. Aber jetzt. Frères et sœurs. Geschwister. Nous allons prier pour ma femme. Wir werden für meine Frau beten. Ou bien on va prier pour mon fils à la maison. Oder für meinen Sohn zu Hause. Comme tu connais ton fils. Da du den Sohn kennst. Comme tu connais ta femme ou bien ton mari. Da du deine Frau oder deinen Mann kennst. Tu sais bien qu'il est dur. Du weißt, ah, der Mann oder die Frau sehr la parole hart. Ne rentre pas dans sa tête. Das Wort geht nicht in den Kopf rein. C'est un bon bandit. Das ist ein richtiger Bandit. C'est toi le premier. Aber du bist die erste Person. À douter dans ton cœur. Die im Herz zweifelt. Que Dieu est capable de toucher son cœur. Dass er fähig wird, dass der Herr fähig ist, sein Herz zu toucher. Tu oublies. Du vergisst es. Le jour où Dieu t'a touché. An dem Tag, wo der Herr dich berührt tu hat. Tu étais comment avant que Dieu wie te touche? Wie warst du, bevor er dich berührt hat? Pense à ça. Tu étais comment? Ja, denk mal zurück. Wie warst du? Bon, méchant, pécheur. Ein richtiger Sünder. Sündiger. Dieu a fait un miracle. Der Herr hat ein Wunder bewirkt. Il a changé ton cœur. Er hat dein Herz geändert. Mais maintenant, quand tu pries pour tes enfants, aber wenn du für deine Kinder jetzt betest, pour ta femme, für deine Frau, pour ton mari, für deinen Mann, tu ne crois pas. Glaubst du nicht. Tu doutes. Du zweifelst. Tu pries pendant des heures, mais intérieurement. Du betest stundenlang, aber innerlich. Tu n'es pas sûr que Dieu le fera. Bist du überhaupt nicht sicher, dass der Herr das tun kann. Parce que quand tu te lèves, wenn du aufstehst, tu regardes ton fils, schaust deinen Sohn an, tu regardes ta femme, schaust deine Frau an, ou bien tu regardes ton mari, oder deinen Mann, tu vois que la situation s'empire. Du siehst, die Situation wird immer schlimmer. Et tu vis dans le doute. Und du lebst im Zweifel. Et tout le temps, oh, je suis enfant de Dieu. Und die ganze Zeit sagst du, ah, ich bin Kind. Et le Seigneur regarde. Kind Gottes. Und der Herr sagt und schaut. Il dit, voici une personne qui frappe. Guck mal, diese Person, die klopft. Voici une personne qui demande. Guck mal, eine Frau, eine Person, die bittet, mais qui ne croit même pas. Aber die überhaupt nicht glaubt.
que Dieu est capable. As they have faith. Oh, quelquefois on le dit, hein? Often with this. On le dit, Dieu est capable. Is that God has faith? Oui, je sais qu'il est capable. Yeah, faith. Même quand on parle avec tes frères et sœurs. Oh, just a rhythm. Mon frère. My brother. Dieu est capable. They have faith. Oui, je le sais. Yeah, je vois this. Mais quand tu pries, quand nous prions, est-ce qu'il est encore capable? Is that God auch immer noch fähig? Lorsque nous sortons les paroles de notre bouche. Est-il toujours capable? Is immer noch fähig? Chrétien. Christ. Réveillons-nous. Stehen wir auf. Chrétien. Christ. Réveillons-nous. Stehen wir auf. Changeons de mentalité. Ändern wir unsere Mentalität. Le frère disait tout à l'heure ici. Der Bruder hat vorhin gesagt. Comment on va recevoir jusqu'à quand? Bis wann werden wir empfangen? Enseignement sur enseignement. Lehre auf Lehre. Jusqu'à quand? Bis wann? Il y en a même qui sont dans la sorcellerie. Gibt's manche, die sind sogar in der Hexerei. Ils savent qu'ils ont l'esprit de sorcellerie. Die wissen, dass sie das Geist Hexerei haben. Ils veulent être libérés de cet esprit. Die wollen davon befreit werden. Mais ils n'ont pas foi en Dieu. Aber die glauben nicht an Gott. Ils vont chercher les grands prophètes. Ils sont les grands prophètes. Ils se disent, bon, si je vais dans telle conférence, ah, wenn ich in dieser Konferenz gehe, ah, là-bas je serai guéri. Ah, da werde ich geheilt. Là-bas je serai libéré. Oder dort werde ich geheilt. Mais Jésus dit, aber der Herr sagt, frappe, klopfe, demande, bitte, simplement, ganz simple. Il n'a pas dit faire des kilomètres. Er hat gesagt, mach Kilometer. Tout simplement, ganz simple. Là où tu te trouves, da wo du dich befindest, dans ta maison, in deinem Haus, dans ton cœur, in deinem Herzen, Seigneur, Herr, sauve-moi, rette mich. Si Dieu a touché d'autres personnes, pourquoi pas toi? Wenn der Herr andere Personen berührt hat, warum nicht dich? Si Dieu a touché telle femme, telle sœur, pourquoi pas? Wenn er diese Frau oder diesen Mann berührt hat, warum nicht dich? Et le Seigneur me faisait comprendre que c'est l'une des raisons pour laquelle dans les familles. Und der Herr hat mir zur Erkenntnis gegeben, das ist ein Grund, warum es in den Familien. Les gens ont la force pour prier pour d'autres personnes. Die Leute haben Kraft für andere zu beten. Mais prier avec foi pour les membres de leur famille. Aber mit Glaube für ihre Familienmitglieder zu beten. Ils ont abandonné. Haben sie aufgegeben. Ils ont la force pour prier pour tel frère qui est aux États-Unis. Die haben die Kraft für einen Bruder, der in Amerika lebt. Quelqu'un qui est en Afrique, on ne voit pas tous les jours. Für einen in Afrika, den man nicht jeden Tag sieht. Mais pour ses enfants. Aber für seine eigenen Kinder. On a perdu la foi. Haben wir den Glauben verloren. Pour sa femme, pour son mari, on a perdu la foi. Für deine Frau, für deinen Mann hast du. Pour la délivrance de ses parents, on a perdu la foi. Für deine Frau und deine Eltern hast du keinen Glauben mehr. L'heure est venue de se lever. Die Zeit ist gekommen, aufzustehen. Il dit, frappe. Er sagt, klopfe. Demande. Bitte. Alléluia. Luc 18. Lukas 18. Comme je le disais, les paroles qui sortent de la bouche de quelqu'un. Wie gesagt, die Wörter, die aus dem Mund einer Person rauskommen. Quand ça sort, ça sort de n'importe. Non. Quand ça sort d'une personne de valeur. Faut faire attention. Ce n'est pas un homme qui enseigne ici, c'est le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, ce n'est pas un prophète ou bien quoi que ce soit, non. Das ist ein Prophet, nein. Il s'agit du roi des rois. Es handelt sich um den König der Könige. Nous n'allons pas lire tout. Wir werden nicht alles lesen. Luc 18, verset 1. Lukas 18, vers 1. Il leur proposa une parole. Er sagt ihnen aber auch ein Gleichnis. Ein Gleichnis, hein? Ja, une parole. Pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Um ihnen zu zeigen, dass sie es nötig, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. On ne va pas lire la parabole. Wir werden nicht das Gleichnis lesen. Mais restons là en haut.
So bleiben wir bei Vers 1. Qui enseigne ici? Wer lehrt hier? Wer lehrt hier? Qui enseigne? Jesus, oder? Jesus gibt diese Lehre. C'est Jésus qui enseigne. Jésus nous dit ici, il donne un enseignement. Le Herr lehrt uns hier. Afin que nous prions. Damit wir beten. Et que nous ne nous relâchons pas. Ohne zu unterlassen. Priez sans cesse. Betet ohne zu unterlassen. Même si tu as mal agi. Auch wenn du schlecht agiert hast. Même si tu as péché. Auch wenn du gesündigt hast. Prie à Jésus qui te sauve. Bete, dass er dich rettet. Crois. Glaube. S'il y a le péché dans ta maison. Wenn es Sünde in deinem Haus, gibt. Prie que Dieu ôte le péché de ta maison. Bete, dass der Herr diese Sünde wegnimmt. Je vais vous raconter une histoire rapidement. Quand j'étais à Leipzig, j'ai fait juste un an là-bas. Là où j'habitais, juste au-dessus de moi, also über mir, la maison en haut, l'appartement en haut, il y avait une famille là-dedans. Cette famille, on ne la voyait pas vraiment. On ne voyait pas ces gens-là. Wirklich gesehen. On savait qu'ils avaient un chien. Wir wussten, die hatten einen Hund. On savait qu'ils avaient un enfant. Wir wussten, die hatten ein Kind. Il y avait un couple. C'était un couple. Es war ein Paar. La journée, tu vois sur la voiture de ces gens-là. Taxi sur un auto de famille. Ils faisaient le Werbung, bien la pub de leur magasin. Die hatten Werbung oder Aufkleber von ihrem Geschäft. C'était écrit Hexenshop. Da stand ein Hexenshop drauf. Donc, c'était, ils avaient un magasin de sorciers. Ils hatten ein Geschäft von Hexen, für Hexen. La plaque, leur plaque, ihr Kennzeichen, c'était 666. War 666. Ils étaient toujours habillés en noir. Ils waren immer schwarz gekleidet. Ils se reconnaissaient comme satanistes. Und die haben sich anerkannt als Satanisten. Et ces gens, c'était terrible. Und diese Leute, das war schrecklich. Moi qui habitais en bas là, ich, die unter denen gelebt haben, pour prier, c'était fort. Um zu beten, das war hart. Je me rappelle que cette période, ma femme avait été complètement attaquée terriblement. Ich weiß, meine Frau wurde da bekämpft geistlich. Jusqu'à avoir même des pensées de suicide. Sogar so sehr, dass sie an Selbstmord gedacht hat. C'était grave. Das war schrecklich. Il y avait des nuits où le chien pouvait aboyer presque toute la nuit. Es gab Nächten, da der Hund die ganze Nacht gebellt. Je me suis dit, mon Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Ich habe mir die Frage gestellt, hey, was muss ich machen? Mon Seigneur m'a poussé. En fait, je ne connaissais même pas ce que moi-même je faisais en réalité. Der Herr hat mich geführt und ich wusste eigentlich gar nicht, was ich tat. M'a poussé à prier. Er hat mich dazu geführt, zu beten. Chaque nuit, il me réveillait. Jede Nacht hat er mich geweckt. Je ne comprenais pas ça encore. Ich habe das in diesem Moment nicht verstanden. Jusqu'à même ma fille qui était encore bébé, sogar meine Tochter, die war noch klein, à une heure bien précise, elle pleure. Eine bestimmte Zeit hat sie sogar geweint in der Nacht. Quand elle pleure comme ça, wenn sie weinte, ma femme dit, pardon, lève-toi, va prier. Hat mir vorgesagt, bitte, steh auf und geh beten. C'est à cause de toi. Das wegen dir. Je me lève, je prie. Steh auf und geh beten. Une heure, deux heures. Je ne me rendais même pas compte de ce que je faisais. Mir war gar nicht bewusst, was ich tat. Mais je priais seulement, je priais seulement. Tu vas pas gebetet. Un mois. Deux mois. Soit un mois. On ne voyait plus ces gens. Wir haben sie letztlich nicht mehr gesehen. On ne les voyait plus. Wir sahen sie nicht mehr. Trois mois passés. Drei Monate später. Rien. Nichts. Un jour, on voit maintenant le Femita. Eines Tages sehen wir den Femita. Il arrive avec un conteneur. Er kommt mit einem Container. Il place ça dehors. Draußen. On ouvre en haut. Die machen oben die Tür auf. Tout ce qui était dans la maison, j'étais dans le conteneur. Im Haus war, haben die Container reingeschmissen. On demande, mais c'est comment? Und ich frage, was ist los hier? Was passiert hier? Ja, wir wissen nicht. Ja, on ne sait pas. Diese Leute sind einfach so verschwunden. Ces personnes ont disparu, die haben alles weggelassen.
Ils ont tout laissé. Die haben nichts genommen. Ils ont rien amené. Weg. Ils ont disparu. Die ganze Wohnung war noch voll. Tout l'appartement était encore plein de trucs. Kleidungen, alles. Habits, tout. Alles. Die haben einfach alles weggelassen. Ils ont tout laissé. Wir haben sie nie wieder gesehen. On les a plus jamais vus. Weg. Die sind wie verschwunden. Ils ont disparu. Disparu complètement. Ils sont einfach verschwunden. Le Vermieter dit, mais on fait quoi de leurs affaires? Ils ont tout jeté dans le conteneur. Le Vermieter hat sich gefragt, was machen wir mit den Dingen? Alles weggeschmissen. Tout. Alles. Wir haben alles mitgenommen. Oder alles gelassen, besser gesagt. La puissance de la prière. Die Kraft des Gebets. L'atmosphère avait changé. L'atmosphère hat sich geändert. Et c'est là où j'ai appris. Und da habe ich gelernt. Prions, frères et sœurs. Beten wir, Geschwister. Il faut prier, croire que notre Dieu est puissant. Wir müssen beten und glauben, dass unser Herr. Vous ne pouvez pas prier seulement. Ah, c'est quoi, c'est ça? Du kannst nicht einfach nur so beten. Je suis allé dans une famille une fois. Je suis allé dans une famille. Un couple que je connais très bien. Quel? Tu rentres dans leur maison comme ça. Bist du im Haus rein? Je dormais au milieu de la nuit, je dormais au salon. Ich habe an dem Tag im Wohnzimmer geschlafen. Un moment dans la nuit, je me réveille. Ein Moment, ich stehe nachts auf. La maison était comme électrisée. Das Haus war wie elektrisiert. Électrisé. Vous savez quand Jacob est allé dormir, non? Wisst ihr, als Jacob schlafen gegangen ist? Il dort comme ça, il dit, j'ai vu l'échelle. Er schläft so und sagt, wow, ich habe eine Leiter gesehen. Les anges montaient et descendaient. Die Engel sind aufgestiegen, wieder runtergekommen. Le ciel était ouvert. Der Himmel war offen. Et Jacob dit, der Jakob sagt, je ne savais pas qu'ici c'était la maison de Dieu. Ich wusste nicht, dass hier das Haus Gottes ist. Je me suis senti comme ça ce jour-là dans cette maison. Ich habe mich so gefühlt an dem Tag in diesem Haus. Je me suis réveillé, j'ai dit, mais il y a une présence là. Ich bin aufgestanden, wow, hier ist die Gegenwart. Et quand je tends l'oreille comme ça, j'entends le couple en train de prier dans la chambre là-bas. J'ai dit, électrisé moi-même au salon. Und das Paar im Zimmer gebetet. Je commence à prier. Tu sens toi-même la force dans la prière. Du merkst selbst die Stärke im Gebet. Une maison là on prie comme ça. In einem Haus, wo man so betet. Quand les sorciers viennent, wenn die Hexer kommen, ils sont bastonnés. Die werden richtig foudroyés. Wird vernichtet. Halleluja. Il est temps de prier la foi. Es ist Zeit, im Glauben zu beten. Prends l'autorité chez soi. Autorité zu nehmen bei sich zu Hause. Si un sorcier dans ta maison, wenn es Hexer in dem Haus gibt, il est éteint. Er ist aus. Tu dis, toi sorcier, wenn du Hexer, tu ne sortiras pas. Du gehst nicht aus dem Körper raus. Tu veux sortir ce soir? Du wirst aus dem Körper rausgehen. Tu seras foudroyé. Du wirst zerschlagen. Levons-nous dans la prière, frères et sœurs. Geschwister, stehen wir auf. Il faut stopper les prières où on ne croit même pas en ce Dieu-là. Tu pries et puis tu ne crois pas, mais c'est quoi, c'est ça? Oder du glaubst, du betest, aber du glaubst nicht, was ist das? C'était ici en Hambourg, je disais ça, non? In Hamburg habe ich das gesagt. Que Daniel. Dass Daniel. Lors à Babylone. In Babylon. Les gens cherchaient la solution. Leute haben die Lösung gesucht. Mais la maman aber du roi vient. Vom König kommt. Elle dit, hey, sagt, il y a un homme ici. Gibt es einen Mann hier? Qui est rempli de l'esprit de Dieu. Oh. Alléluia. Amen. Quand tu es quelqu'un de foi, wenn quand tu marches dans la foi, wenn du im Glauben wandelst, le monde entier le sait. Die ganze Welt weiß es. Les sorciers le savent. Die Hexer wissen es. Une fois j'étais poursuivi par des sorciers. Eines Tages wurde ich von Hexen verfolgt. Ils voulaient ma mort. Die wollten meinen Tod. Le Seigneur me montre en vision. Der Herr zeigt mir in Vision. Comment les sorciers s'appellent? Wie diese Hexen heißen? Sorciers des États-Unis, sorciers de l'Afrique. Hexer von der USA, von Afrika. Ils sont tous venus. Sind alle gekommen. Il est où le gars qui prie là? Wo ist diese Person, die so viel betet? Ah, Yeshua Mashiach. Mais Yahweh vient. Der Herr kommt.
Je paniquais comme ça. J'avais peur. À cause de la sorcellerie. À cause des sorciers qui viennent de partout. Pour me tuer. Mais je voyais un vieux papa là qui est assis. Il me regarde. Il me dit, viens. Viens, on va prier. Viens, on va prier. Je pars. On commence à prier. Les sorciers viennent. Attrapons-le, ils font sa roue. Ils ne pouvaient pas m'attraper. Alléluia. Alléluia. Celui qui prie, il peut même dormir au milieu de 2000 sorciers. Kann sogar unter 2000 Hexern schlafen. Rien ne se passera. Nichts wird passieren. Un jour je paniquais. Eines Tages war ich voller Panik. J'avais peur. Ich hatte Angst. Je veux mourir, Seigneur. Ich werde sterben, Herr. Je veux mourir. Ich werde sterben. Dieu m'ouvre les yeux. Der Herr öffne mir die Augen. Je me vois dans une boule. Ich sehe mich in einer Kugel. Il y a les serpents autour. Schlangen um mich. Quand je dépose un pas comme ça, tac, wenn les serpents fuient. Je fais un autre pas, tac, les serpents fuient. Alléluia. Si toi tu ne crois pas, wenn du glaubst, mais moi je crois. Ich glaube. Ce Jésus, dieser il m'a visité. Mich si tu n'as pas visité, ça c'est ton problème. Weil si tu veux continuer à prier sans la wenn foi, c'est ton problème. Glaube, ist dein problem. Les sorciers vont te fatiguer. Ils vont te traîner jusqu'au die salon. Ils vont sauter sur toi. Ils vont jouer springen. Au foot avec ta tête. Spielen. Et moi, aber mit mir, mon rédempteur est vivant. Mon rédempteur a dit frappe. Et j'ouvrirai. Demande. Öffne, und ich werde dir, et je donnerai. Klopfe, ich werde öffnen. Bitte, ich werde geben. Mais si tu veux rester comme ça, aber wenn du so bleiben möchtest, tu n'auras pas la victoire. Wirst du keine Erfolg haben oder keinen Sieg. Dans la Bible, in der Bibel, j'ai vu des familles, habe ich Familien gesehen, transformées. Die wurden verwandelt. Corneille, il a cru. Er hat geglaubt. Seul, il a allein, cru. Allein hat er geglaubt. Mais le jour où il a été visité chez lui, aber an dem Tag, wo er zu Hause besucht wurde, toute la maison de Corneille était transformée. Verwandelt. Donc toi qui crois que Dieu ne peut pas toucher ton mari, also du glaubst, dass der Mann, toi qui crois que Dieu ne peut pas toucher ta femme, du, die glaubst, dass der Herr, ou même tes enfants, deine Frau, deine Kinder, reste comme ça. Bleibst du, c'est dein problem. Mais moi je le crois. Aber ich glaube, je dis mes enfants serviront Yahweh. Ils de meine Kinder werden je le proclame au nom de Jésus. De Dieu. Ma maison a les enfants de Dieu. Mein Haus, même mein si Haus je ne vois pas ça maintenant. Aber wenn ich jetzt sehen, mais je le proclame. Aber ich verkünde es. Parce que j'ai la foi. Non, mais je glaube. Fils de l'homme. Prophétise. Est-ce que tu crois que ces ossements glaubst du, dass diese getrockneten Knochen peuvent encore avoir la vie? Können noch lebendig werden sein können. Je prophétisais. Ich prophezeie. Je prophétisais. Ich prophezeie. Et la chair und das Fleisch est revenu. Ist zurückgekommen. Fils de l'homme. Sohn Gottes. Crois-tu? Glaubst du? Que ces ossements desséchés, dass diese getrockneten Knochen wieder leben können. Fils de l'homme. Sohn Gottes. Crois-tu? Glaubst du? Que l'esprit pourra rentrer là-dedans? Dass mein Geist da reingehen kann. Je prophétisais. Ich prophezeie. Et l'esprit entré. Und der Heilige Geist. Et la parole dit. Das Wort sagt. Une armée puissante s'est levée. Eine mächtige Armee ist aufgestanden. Nous voulons voir une armée en Allemagne? Wir wollen eine Armee in Deutschland? Cessons de prier avec le doute. Hören wir auf mit Zweifel zu beten. Moi, le Seigneur m'a montré. Der Herr hat mir gezeigt. Si toi, tu ne crois pas. Wenn du es glaubst. Moi, il m'a montré. Moi, il m'a montré. Des policiers à genoux. En train de glorifier Yahweh. Alléluia. Policiers allemands. Ein deutscher Polizist. Un homme a prophétisé. Ein Mann hat prophezeit. Que les Africains. Les Afrikaner. Apporteront le réveil ici en Europe. Ich werde das. Wenn ihr weg in Europa bringen. Moi je suis africain. Je suis africain. Avec mon Deutsch qui est bizarre. Mais comme je suis Deutsch, je vais prêcher l'évangile. Je vais faire le prédicat. Je vais parler de Yahweh. Je vais vom Herrn sprechen. L'heure est venue. Zeit ist gekommen. José dit l'heure est venue de se réveiller. Bruder José dit, Zeit ist gekommen aufzustehen. L'heure est venue de se lever. Die Zeit ist gekommen aufzustehen. Ton mari.
famille ne croit pas, prie. Bete. Ta femme est bloquée, prie. Deine Frau ist blockiert, bete. Et crois que le Seigneur est là. Crois-le. Un homme a prié. Ein Mann hat gebetet. Il s'est séparé de sa femme. Sa femme est allée prendre une autre femme. Die Frau hat eine andere Frau genommen. Elle est devenue lesbienne. Elle est lesbisch geworden. Pendant 7 ans. 7 Jahre lang. Elle vit avec une autre femme. Elle a une andere Frau gelebt. Le mari est resté à genoux. Der Mann bleibt. Il a prié. Il a dit, je ne t'abandonne pas, Yahweh. Er sagt, werde ich nicht aufgeben, Herr. 7 ans plus tard. 7 Jahre später. La femme est revenue. Frau zurückgekommen. Elle est revenue. Elle est zurückgekommen. Donc tu crois que c'est ton problème là qui est quoi? Du glaubst, dein Problem ist, was ist das vor Gott? Gar nicht. Tu crois que ce qui se passe dans ta famille, là, c'est quoi? Was ist das, was in der Familie passiert vor dem Herrn? L'heure est venue de croire. Die Zeit kommt, um zu glauben. Tu as des problèmes en ce moment? L'heure est venue de croire. Die Zeit kommt, que Yahweh est capable. Dass der Herr fähig ist. Y a la sorcellerie chez toi? L'heure est venue de croire. Die Zeit kommt, um zu glauben. Moi, on m'a traité de franc-maçon. Mais tu m'as dit que je suis vraiment là. Parce qu'ils sont venus me chercher la nuit. Mais ils ont cherché. Ils ont cherché. Ils ont dit qu'il faut qu'on le tue. Et bien, ah wow. Il y a une autre sorcellerie. Une sa sorcellerie est plus grande que la nôtre. C'est un franc-maçon. C'est vraiment là. Alléluia. Ils ont dit ça, c'est un franc-maçon. C'est vraiment là. Ça arrivait jusqu'au village. Ce qui a pris parmi les dorses est encore. William est franc-maçon. William est vraiment. William est sorcier. C'est ça. Parce qu'ils ont tenté. William Fazou. Ça n'a pas marché. Ça ne dit pas. À un moment donné, je croyais que c'était la mort. J'ai absolument un message qui est passé. Thierry, je pensais que c'était fini. Et puis dans ce moment, faut baisser toute. Pas parce que c'est là témoin. Pas parce que c'était un destin. Je disais, je vais mourir. Je sens comme si je suis en train de mourir. Parce que plus je sterbe. Mais un jour, en priant, im Gebet, je vois trois hommes qui rentrent chez moi à la maison. Drei Personen bei mir zu Hause. Ils viennent s'asseoir. Vous êtes touché? Nous sommes venus te rendre visite. Alléluia! Hey! Hey! Aïe, aïe, aïe! Nous sommes venus te rendre visite. Vous comme si nous ouvrons. Je dis, mais qu'est-ce que je veux vous donner? Vous êtes dans la vie. Qu'est-ce que je peux vous donner? Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez avoir? Avoir jus? Ah, quand je me lève comme ça, je dis, hey, Yahweh, je ne peux pas m'abandonner. Alléluia! Et c'est là où le Seigneur me dit maintenant. Demande les nations. Demande l'Allemagne. Demande tes enfants. Donne-les-moi. Donne-moi ta femme. Donne-moi ta mère. Même ma mère. Était malade. Va craindre. Traitée carrément de folle. Aujourd'hui, elle chante des louanges. Alléluia. Mon frère, quand tu traverses la vallée de l'homme de la mort, Yahweh est là. Tu traverses dans un tunnel, tu te dis c'est fini, je vais mourir. Mais dans le tunnel, denkst du, je vais sterben. Mais au bout du tunnel. Aber am Ende vom Tunnel. Quand tu regardes comme ça. Wenn du richtig schaust. Oh, il y a une lumière là-bas. Ah, das ist doch ein kleines Licht. Tu cours. Du läufst. Yahweh est là. The head's down. Yahweh est là. The head's down. L'heure est venue. Die Zeit ist gekommen. De marcher dans la foi. Im Glauben zu wandeln. Nous allons nous lever et prier dans la foi. Wir werden aufstehen im Glaube beten. Nous allons nous lever et prier pour l'Allemagne dans la foi. Nous allons nous lever et réclamer nos enfants dans la foi. Nous allons nous lever et réclamer nos enfants dans la foi. Wir werden aufstehen und unsere Kinder réclamer nos femmes, nos maris, nos parents dans la foi. Frau, Männer, Familie, im Glaube. Réclamer nos parents dans la foi. Réclamer nos Eltern, im Glaube. Sans douter. Ohne Zweifel. Refuser de douter. Meine si tu as commis une erreur, meine ist zu zweifeln. Wenn du demande pardon, pardon sans douter. Dann bitte um Verzeihung ohne zu zweifeln. S'il y a le péché qui te dérange, wenn die Sünde dis Seigneur, pardonne-moi. Verzeihe mir. Sans douter. Ohne zu zweifeln. Parce que c'est le seul qui délivre. Weil der ist der Einzige, der befreit. Le seul qui sauve. Der Einzige, der rettet. Lève-nous au nom de Jésus-Christ.
Nous allons prier, frères et sœurs. Wir werden beten. Nous allons prier que Dieu nous visite. Wir werden den Herrn besuchen. Et il faut croire. Wir müssen glauben. Sachez que ce genre de réunion, dass wir eine solche Versammlung, Jésus est derrière ça. Der Herr ist steht zu dem Wort. Jésus est derrière ça. Der Herr steht zu dem Wort. Jésus est derrière tout ce genre de réunion. Der steht dazu zu dieser Art der Versammlung. Il nous convoque jusqu'ici. Er bringt uns bis hierhin. Parce qu'il veut que nous prions. Weil er möchte, dass wir beten. Qu'il nous redonne la force à la prière. Dass uns Kraft gibt im Gebet. Avant d'arriver ici à Hambourg. Bevor wir nach Hamburg kommen. Ah, je l'ai vu. Habe ich schon gesehen. J'ai vu ça. Habe ich gesehen. Le Seigneur veut allumer les gens ici. Der Herr möchte, dass wir anzünden. Il veut allumer les gens ici. Er möchte, dass wir anzünden. L'onction de la prière. Il veut déverser ça sur les gens ici. Des gens qui vont prier. Qui ne vont plus se relâcher. Qui ne vont pas prier dans le doute. Des gens qui vont prier. Afin que Jésus-Christ soit glorifié. Damit der Herr verherrlicht wird. Frères et sœurs, prions que le Seigneur nous remplisse de l'onction de la prière. Prions, prions dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus-Christ. Le réveil viendra par la prière. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions pour Dieu nous réconcilier à lui. À la prière. Oh, alléluia. Alléluia. Remplis ton peuple du feu de la prière, papa. Le feu de la prière. Le feu de la prière. Le feu de la prière. Seigneur, renverse les murs. Renverse les murs qui nous empêchent de prier, Père Jésus. Oh, Rabba Saka. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Une nouvelle armée. Une armée qui prie. Une armée qui prie. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Remplis le feu de la prière. Seigneur, allume-nous. Allume-nous. Là où nous étions faits dans la prière, papa. Redonne-nous le goût de la prière. Le goût de prier. Bénis-nous. Stark im Gebet! Stark im Gebet! Die Erweckung kommt durch Gebet! Erweckung kommt durch Gebet! Oh, Halleluja! Beten wir im Namen Jesus! Seigneur, remplis tes enfants! Remplis tes enfants que nous sommes! Remplis tes enfants que nous sommes du feu de la prière. Intercédez. Oh Père, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous sommes des hommes et des femmes de prière. Des hommes et des femmes de prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Rabba Sakanyana. Hey. Yahweh, nous croyons en toi, Yahweh. Nous croyons en ta puissance de résurrection. Nous croyons en la puissance de Yahweh. Celui qui nous remplit. Remplis mes enfants. Remplis mes enfants. Père éternel. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Prions pour ta puissance de la sorcellerie. Dans notre vie. Tu es détruit pour grand, Jésus.
Alléluia. Herr mein Gott, wir wollen beten. Wir wollen Männer vom Gebet, Frauen vom Gebet werden. Oh mein Gott, brich die Macht der Hexerei. Alle Mächte, die uns also schwach machen, schwach im Gebet machen, im Namen Jesus. Prions, prions. Soyez libres, marchons dans la salle, marchons dans la salle. Marchons, marchons, prions, prions. Soyez libres. Bénis le nom de Jésus. Oh, Ramama Sakayanda. Vous allez électriser cet endroit. Au nom de Jésus. 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 Père, communique l'onction de la prière à tes enfants aujourd'hui. Au nom de Jésus. Oh, Yahweh. Rakababa Saka. Beten wir, beten wir. Wir sind hier zu beten. Prions, prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. C'est par la prière que les liens de l'iniquité sont brisés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les liens de la sorcellerie sont brisés. Au nom de Jésus. Les liens de la mort sont brisés. Au nom de Jésus. Dégage. Oh Père, des hommes et des femmes de prière. Des hommes et des femmes de prière. Au nom de Jésus. Prions par la foi. Prions par la foi. Proclamons des paroles par la foi. Prions. Tu rentres dans nos maisons. Tu rentres dans
ended. Hallelujah. Hallelujah. Oh, my God is faith. My God is here. He's here. He's here. Oh, Yahweh. 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 Mon foyer t'appartient. Ma famille t'appartient. Ma femme et mes enfants t'appartiennent. Yeah.